il y a trop de lumière aujourd'hui, ça peut être que positif. Il n'y a pas de musique en arrière-plan, ça peut être doublement positif. Salut tout le monde, c'est Théo, comment allez-vous? Écoutez-moi, ça va extrêmement bien. Aujourd'hui, on va venir parler de plusieurs choses parce que j'ai pas eu le temps. Le tube, le serpent, et c'est tout. Bon, plus sérieusement, j'ai reçu de la part de chez Coil Art, j'ai gagné un concours, il n'y a pas de partenariat ou autre, et en plus j'ai dû payer 10 balles pour le make mode de chez Coil Art, tout simplement. Alors, j'ai dû payer 10 euros, je m'en plains pas pour un prix total de ce tube de 80 euros, mais on viendra reparler du prix, parce que pour moi c'est purement justifié le prix de 80 balles en France, ça va. J'ai dû payer 10 euros parce que c'était envoyé de ce qu'il m'avait dit directement depuis les États-Unis et qu'avec les frais de port c'était très risqué. Donc du coup voilà, les 10 dollars m'ont été retournés. Bon, me plaît pas. Alors ce petit mage mec, c'est un concours que Coil Art faisait rapidement pour l'histoire, Coil Art réalisait sur la page Instagram. Chance que j'ai, ça veut dire que je n'ai jamais de chance, j'ai participé, j'ai gagné. Bon, d'accord. J'ai gagné et du coup bah j'en ai profité parce que vu que j'étais dans ma période tube, bah, j'ai vapé pas mal et j'étais super bien bluffé de ce tube, que ça soit en double ou en version stacked. J'en pense que du bien sincèrement de ce tube. Bon, il y a quelques points où je suis pas d'accord avec, mais ça c'est rien. J'ai pas vu énormément de revues françaises, mis à part un revueur que je regardais déjà avant qui est Mars Vap ou Mars Attack, bon Mars Vap. Et du coup, voilà, je peux pas trop me calibrer sur d'autres revues, donc voilà. Et après avoir vu la revue de Monsieur Culture Vap, j'ai acheté le petit serpent et les vattes. Ne travaillons pas avec Autofo, bah du coup, voilà, je l'ai acheté, j'ai craqué. Moi qui avais bien aimé le serpent SMM, pourquoi pas ne l'acheter. On va parler principalement du serpent. C'est la revue la plus rapide là-dessus. Si vous désirez voir une revue complète, Culture Vap, directement, il a fait une très longue revue. Mais au moins, il en fait une bonne, voilà. On va juste parler de l'ato. Principalement, c'est le portrait craché du serpent SMM. Je suis déçu d'une chose personnellement, c'est que le tirage est un peu plus serré, je trouve, que le serpent SMM. Et le plateau est également, lui, plus petit. Bon, c'est pas malheureux. Moi, ça me permet de retourner à de l'ancien câble. Comme d'habitude, Autofo nous fournit du packaging de grands malades. C'est-à-dire un Pyrex en plus, du coton, vraiment de quoi tout faire. On imagine, on l'achète en magasin, on n'a pas besoin de racheter de coton à part, de fil à part, etc. Tout est déjà fourni par Autofo. Et ça, merci. Et en plus, on tombe sur des produits de qualité parce que on a un coton qui vient directement de chez Autofo au bon diamètre. Je dis au bon diamètre parce que Geek Vape avait déjà fourni du coton qui n'était pas au bon diamètre. On a également deux coils en NI80 qui vont faire du 0,33 ohm en double, si je ne me trompe pas. Directement de chez eux. On a un Pyrex bubble et non bubble classique, évidemment. Deux drip tips 810, un transparent. Donc moi je l'ai pris en gris. Un qui est un peu gris. Et après un autre de couleur bleue et un adaptateur 810-510. Nickel. Bon, en gros le serpent, merci Pierre. Pierre, je t'avais dit que j'allais faire mon petit retour en vidéo directement. Pas du tout déçu de la revue, mis à part que bon. Au final, quand je le teste, c'est vrai que le serpent SMM pour moi reste un peu mieux que le version Elevat, donc la nouvelle version de chez Autofo. Par contre, l'accessoire pour bien couper les pattes, vous allez comprendre si vous regardez la revue de Culture Vape, vous allez mieux comprendre ce petit coupe-coupe pour le diamètre des pattes. Ça, c'est top, fallait vraiment y penser et ça nous évite bah, de claquer du fil en moins. Parce que combien de fois j'ai coupé trop court et du coup, bah, j'étais un peu. Je me suis fait un peu avoir en fait, tout simplement. Et puis voilà, c'est triste. Le mage, qu'est-ce qu'on a dedans? On a pas mal de choses à savoir. On a un accu, alors on n'a pas d'accu fourni, mais c'est les adaptateurs 18-650. Ça, c'est du mode classique. On a du 2700, ça c'est du mode un peu au-dessus. Et après on a du 21-700, alors ça la compatibilité, 3 accus différents. Comment te dire que c'est al diente pour moi? Alors, un inconvénient, c'est que le wrap des eJoy étant très épais, ne rentre pas. Alors les Samsung en 21-700 rentreront là-dessus, ça sans aucun souci. Je peux pas faire le test là ce soir parce que je n'ai pas les accus sous la main, tout simplement. On aura une version simple, donc un barrel classique, un accessoire pour le mettre en double barrel. Attention, et ça c'est un truc que j'ai trouvé vraiment topissime, l'isolation. On aura deux types, enfin c'est même pas deux types, c'est deux petits morceaux de contact qui permettront de faire l'isolation. Alors c'est des toutes petites rondelles. Adaptateur, vous en aurez deux en 1850 qui seront fournis
directement à l'intérieur. Et la seule chose que j'ai trouvé, la chose très très positive, et je pense aux personnes qui vont déjà mettre des commentaires par rapport à la loi d'Ohm, c'est ce petit papier. Alors, est-ce que vous le verrez bien? Ça, c'est un papier qui vous dit, en gros, vous avez aucune excuse pour la sécurité. Il vous donne la version de le calcul U égale R fois I, il vous donne toutes les variables, également son résistance, donc là ils vont donner l'exemple d'une résistance à 0,25, en single ça donne, il y a tout en fait, il y a tout, il donne vraiment tous les calculs en simple avec une résistance à 0,25 et en double avec une résistance également à 0,25, il vous donne la puissance maximum, minimum, l'ampérage minimum et maximum. Alors ça, c'est vraiment top, parce que même nous derrière, ça peut nous permettre de refaire le calcul tranquillement, car le calcul est posé effectivement en lettres, mais également en chiffres. Donc comme ça, on peut refaire le calcul tranquillement chez nous. Jusque là, c'est nickel. Également, recommandé pour les atomiseurs par rapport aux pins longs et aux pins courts, savoir dans quel sens on peut mettre la Q. Focus, refais-toi. Dans quel sens on peut remettre la Q. Comme quoi, Coilart, il pense vraiment à faire énormément de sécurité. J'ai vu la vidéo de MarsVap qui disait qu'il avait peut-être peur, c'est de ce que j'ai compris, que la couleur se taille. J'en ai profité pour faire un peu de crash test sur la version stacked, parce que je sais qu'en double, je n'utiliserai pas énormément. Et ça ne prend pas les coups, même dans des cailloux ou autres, ça ne perd pas en couleur. Jusque-là, c'est nickel. Rien à dire. Vous avez également un switch qui vous sera fourni en plus. Alors, le cover du switch, tout simplement, qui va vous être fourni. Il y a celui-ci qui est classique et un autre qui sera en un peu transparent. Et par contre, on est sur un switch à ressort. Switch à ressort auquel vous aurez des pièces détachées. Non pas à commander, mais qui seront directement fournies dans le packaging. Comme quoi, ils pensent vraiment à tout. Alors, je sais, encore une fois, je me comparais à ce monsieur. Monsieur MarsVap avait mis le switch transparent. Donc voici ceux qui veulent voir le switch en mode classique. Alors moi, je l'ai reçu comme ça. Je ne l'ai même pas changé. Mais ça fait très beau. Pour ceux qui connaissent Puff Puff Custom Box, c'est vraiment la même partie. C'est gravé, en fait. C'est tout simplement gravé à l'intérieur. Du coup, j'ai fait un petit montage. Enfin, j'ai fait un gros montage même. Alors, montage qui est du centipède coil et je tombe à 0,35 en double. Et je vais vous montrer que je suis pas de petite nature. Je vais vous le mettre en double et vous verrez que 0,35 c'est quand même patate. Et du coup, je vais vous montrer ce que ça donne quand on va le mettre en double. Alors, pour le mettre en double, on prend du coup le deuxième switch. Moi, je vais le mettre avec des accus en 1850, donc je vais avoir besoin du switch, de la protection, tout simplement, et également de la petite rondelle. Alors, c'est tout simple. Je prends en premier lieu mes accus, qui sont dans la dot mode. Hop, je viens mettre mon accu en premier lieu. Tac. Je pose la rondelle juste au-dessus, tout simplement. J'oublie pas de mettre l'accu dans la protection également. Et je viens, alors, du coup, je viens revisser le tout. Tac. Et je n'oublie pas la petite partie du haut. On a des trous de dégazage sur la première partie comme sur la deuxième partie. Jusque là, c'est nickel. Voilà la taille du mode. Ça fait vraiment la taille de ma main. Et encore, il est plus grand. Et voilà ce que ça donne en version réactivité. On va remettre du jus de toute façon. Je vous l'avoue, en double, il envoie, mais... Et je fais à peine fire que ça envoie déjà patate. Du coup, on va quand même essayer de vaper avec. Mais je vous dis, c'est l'anarchie ce truc. Alors, en version double, il conseille quand même du 0,25. Sachant que moi, je suis à 0,35. Théorique, 0,35. Réel, je suis à 0,30. Donc, ça envoie quand même... ça te dessert quand même 230 watts, je crois. 282 watts. Ouais.
Donc sachant que mes accus sont un peu vides, je dois être aux alentours... Alors, ils se disent minimum 196 watts, maximum 282. Donc je dois être dans les... à peu près 200 watts. Et en version simple, là c'est beaucoup moins peps. Mais ça envoie tout autant. Ce tube est tout simplement une tuerie, si je peux vous le conseiller, oui je vous le conseille à 100%. Il est vraiment super clean et très très propre. Les finitions sont elles-mêmes super bien faites. Donc oui, je vous le conseille à 100%. Si vous possédez ce mode et que vous l'utilisez en version double, c'est que déjà ça accroche déjà pas mal. Mais également, conseillez-moi des montages. J'aimerais bien vraiment pouvoir le tester dans une journée globale. Après voilà, 100 watts, faudrait peut-être que je me réhabitue avant, mais ça serait plutôt buenos. Sur ce, si vous avez des questions, n'hésitez pas, toutes les conditions, donc tout ce qui est réglementation, etc., etc., loi d'homme, voilà. Comme la dernière fois, tout est en description, tranquillement. Et la vidéo de Culture Vape pour le déballage du serpent de chez Wotofo, c'est également en description. Concrètement, le tube de chez Coil Art, j'adore, sincèrement, c'est top. Il fait quand même son poids, c'est vrai, mais je le kiffe. Et le serpent, je suis pas déçu de la version Elevate, ça fait un petit renouveau. Airflow par le haut, ce qui évite justement les fuites. Et par contre, c'est top. Ils ont fait du renouveau, c'est top. Et je sais que Wotofo, il continue de faire toujours des choses nouvelles. Et ça, c'est vraiment super clean. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas, la barre de description, la barre de commentaires est justement faite là pour ça. Gros bisous à vous tous, c'était Théo, prenez soin de vous, ciao.